16e de finale entre Sablé-sur-Sarthe et Paris Saint-Germain. Après une bonne entame de match par les locaux qui, dès la deuxième minute, voient Journet bénéficier d'une mésentente entre Camara et Sakho. Celui-ci tire sur la droite et trouve le portier parisien près de son poteau. À la 11e minute, Paris réagit avec un bon ballon de Gamero pour Nené qui ne tire pas et se fait finalement contrer par la défense. À la 36e minute, le Paris Saint-Germain bénéficie d'un pénalty après une faute sur Nené, ce dernier transformant et marquant pour Paris. Paris ouvre le score 1-0. À la 43e minute, Ménez manque de peu la balle de break en se présentant seul devant le gardien de Sablé, mais son tir est enrayé par le gardien qui reçoit directement le ballon sur la poitrine. 65e minute, un but de Gamero grâce à un travail de Nené jouant avec Ménez. Ce dernier, paraissant hors jeu, transmet le cuir à Gamero qui fusille le gardien adverse. 2-0 pour Paris. Le troisième but arrive 8 minutes après par le même Gamero qui reçoit le ballon de Nené et tire avec le ballon. Celui-ci passe sous le gardien Sibil 3-0. Dans le temps additionnel, les Parisiens marquent un quatrième but par Nené qui tire du début de la surface de réparation avec son pied gauche. 4-0 pour Paris. Score final.